Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis à Action de Landes, je vous emmène faire un petit tour avec moi, c'est parti. Je vais commencer avec une petite nouveauté sympatoche. Alors, il reste plus que cette couleur, c'est trop mignon. Petit champignon en vert comme ça avec lumière LED à l'intérieur, franchement j'aime trop. Dommage qu'il n'y ait pas les autres couleurs de dispo, je sais pas, les coloris, enfin, je sais pas les autres couleurs quoi. Il n'y a que ce modèle-là de dispo. En couleur un petit peu orangée, camel, ça doit être trop beau. Donc 3,99€. D'ailleurs, il y a ici des petites bougies en forme de maison. À 1,49€. Allez. Là, on a des petites maisonnettes avec lumière LED. C'est 3,99€. Au choix. Regardez là, on a les branches artificielles, les boules de coton comme ça, des petites fleurs de coton, 1,99€. Il y a ça. Oh, c'est très très joli pour l'automne, très automnal. Les petits glands. Il y a ce modèle là aussi. Ok, et celui-ci, donc ce sont des tiges hein, de 70 cm. Après pour la décoration automnale, il y a vraiment plein de têtes de gondole avec de la déco à ce sujet-là. Hein. Ouais, ouais. Il y a plein de petites choses. Donc voilà. Alors est-ce que vous avez acheté ces petits boîtiers ? Pour cacher les câbles, en même temps vous avez directement une prise, des prises à l'intérieur. C'est une petite boîte comme ça, donc non seulement c'est un boîtier et en même temps ça fait genre rallonge, voilà, multiprise. 16,95€, elle mesure 30 cm par 14 de haut et 14 de profondeur. Il y a noir, il y a blanc, et après là vous avez donc 5 prises, une entrée USB-C, une entrée USB-A. En noir ou en blanc à 16,95€. Sinon, il y a du nouveau là dans le rayon. Ce sont ces petites lampes. Petite veilleuse avec capteur. C'est rechargeable. Ouais, il y a du blanc aussi. À 4,79€. Petite lampe sympa, petite veilleuse. Et là, regardez. C'est une lampe LED avec capteur rechargeable, 4,79€. Je trouve ça joli, franchement je trouve ça très beau, même au niveau des genre des étagères ou quoi, dressing étagère, vous pouvez mettre ça comme ça pour éclairer. C'est avec capteur, lorsque vous allumez, ouvrez, ça s'allume quoi. 4,79€ et c'est rechargeable, 20 lumens. C'est super joli, regardez. En acrylique comme ça, transparent, c'est très discret. Ça, franchement, pas mal. Alors, on n'a toujours pas ici reçu les petites lampes capteurs, hein, petites comme ça. Là. Je crois qu'elles sont vendues par deux. On les a toujours pas reçues ici. Avez-vous testé ce petit gel nettoyant? Franchement, je suis surprise. Je me suis dit ça, à mon avis, ça va trop vite partir. Il y en a encore en rayon. Hein. Les gels nettoyants, genre comme du slime pour nettoyer. Enlever les poussières et tout dans la voiture par exemple. Les coins les plus difficiles en fait. 89 centimes, c'est trop satisfaisant, c'est super bien. D'ailleurs là on a des petits entonnoirs comme ça en silicone. 78 centimes. Rétractable, hop. Alors par ici, on a des petits bouquets de fleurs dans les petits vases. À 3,33€. Les chandeliers sont vraiment très jolis. Ceux-là en bois de manguier à 1,98€. 1,98€ des petits chandeliers comme ça en bois de manguier. Alors sinon, par ici, on a la petite boîte à bijoux. On a le retour de cette boîte à bijoux compartimentée. Elle est belle, hein, elle est en bambou. Donc ça donne ça. Plein de compartiments. 7,95€, 30 par 23. Là, on a de belles bougies chandelles. Elles sont à 1,69€.
Alors, j'ai eu des bons retours concernant le diffuseur de sel d'Himalaya, là, comme ça. Diffuseur de parfum, attendez, oh là 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 là. Comme ça. Celui-ci là, avec minuteur, il est à 13,95€. J'en ai eu de bons retours. Et vous, est-ce que vous avez testé celui-ci, ce set de diffuseur portable? Il est rechargeable en fait. Parce que pour moi, c'était un gros flop, mais est-ce que c'est les huiles en fait qui sont pas top? Ou est-ce que vous l'avez testé et que vous voyez, dites-moi s'il vous plaît. Alors par ici, on retrouve ces petites étagères en métal noir. 75 cm de haut, 75 cm de large et 35 cm de profondeur. Et hop, on a également en crème. Juste à côté, vous avez les miroirs de porte. Il y a blanc, il y a noir. 7,95€. Aspect bois aussi, 90 cm par 30. Il y a les petites tables basses ici à 19,95€. 78 par 38 cm. Je vais continuer côté alimentaire. On a ici des petites billes de chocolat avec du caramel à l'intérieur. Du caramel salé. Au prix de 2,29€. Sinon, on a aussi les petits bretzels comme ça au chocolat au lait. Et ceux-là, je les ai jamais goûtés, je crois. Cookie, saveur cookie crème. 1,59€. Je sais que ceux-là, c'est une dinguerie, c'est super bon. Ceux-là, je sais pas. On a ici des petites gaufrettes, mini cubes comme ça, de gaufrettes à 95 centimes. Je vais continuer dans le rayon articles ménagers. On a ici, hop là, les petits séchoirs. Étendoir, on va dire plutôt. Étendoir que vous pouvez mettre, je sais pas, à bord de la fenêtre. Blanc ou noir, 6 mètres d'étendage à 3,99€. Hop là. Il y a ces petites pinces à linge vendues par 40 en bois, elles sont à 99 centimes. L'aspirateur à balai, celui-ci, le Beldry, franchement, il est super bien. Vous pouvez le mettre comme ça, ben, dans un petit coin de la cuisine, 39,95€. Ça fonctionne super bien, même pour nettoyer, par exemple, vos fauteuils. J'ai nettoyé la voiture avec, très très bien, 39,95€, mais il est bien puissant. Et c'est super pratique, en fait, c'est pas encombrant, c'est pas gros, c'est pas lourd, très très bien. Après, là, vous avez les sacs de rangement sous vide. Sac de rangement sous vide, 2 pièces, 86 par 50 ou 130 par 74 cm à 2,33€. On peut également trouver les sacs de rangement comme ça. Petite pochette, hein. Hop là. Et là, vous pouvez y mettre. Donc à l'intérieur, il y a le petit sachet. 80 par 38 par 90 cm, 4,95€. Hop là. Il y a les petits chiffons là. Ils ont ressorti le plein là du petit format 40 par 40 à 75 centimes. 40 par 40 à 75 centimes. Super. Franchement, c'est super pratique les petites poubelles en plastique comme ça. Hop. Avec le petit couvercle, vous le mettez soit dans la cuisine, hop, comme ça. Vous mettez un petit sac plastique et vous jetez tout ce que vous avez à jeter. C'est vraiment très pratique, tout ce qui est épluchure, etc. Et bien, ou bien moi je l'ai mis dans la chambre de mon fils. Je l'ai mis comme ça, je l'ai accroché sur le côté de son lit, sur le bord de son lit. Et je peux y mettre à l'intérieur plein de petites choses, une petite bouteille d'eau, un livre, etc. Au moins c'est juste à côté, c'est pratique. Voilà, 3,29€, 6 litres de contenance. Après on a aussi ces petites poubelles de table à 4€. Et bien voilà, mes petites pommes d'amour, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Je vous dis donc à très vite. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye. Vous étiez bien avec Nawel de la chaîne La Rose d'Orient.